je suis Serge Dan, le directeur de la course Algernon et son fondateur. C'est le plus grand événement de France qui accueille des personnes en situation de handicap et des personnes valides sur un même événement. La course est ouverte aux personnes ayant un handicap mental, physique, sensoriel et même maintenant aux personnes avancées en âge. Je m'appelle Frédéric, j'ai 30 ans. Ça fait 10 ans que je fais la course Algernon avec mon frère William et 7 ans qu'on gagne. C'est vraiment le moment de l'année qu'on attend ensemble. Durant cette course, c'est comme si mon frère avait mes jambes. Je m'appelle Sam Salmi, je suis collaborateur de la CEPAC depuis 27 ans. Je participe à la course à pied Algernon depuis une dizaine d'années. Régulièrement aussi, je m'inscris dans le cadre de l'action de la CEPAC sportive et caritative. Cette année, c'est entre 5 et 6 000 participants. C'est presque 500 bénévoles, plus de 500 personnes en fauteuil roulant ou à mobilité extrêmement réduite. Quand je m'entraîne, je me dis, lui, il ne peut pas courir, il n'y a que moi qui peux courir, donc il faut tout donner pour essayer de faire une 8e victoire consécutive, c'est l'objectif. Il est ravi, il est heureux et pour moi, ça me donne le sourire et toujours envie de faire plus. Cette année, j'ai décidé de participer aux 5 km en accompagnant un handicapé, en Joëlette, donc on sera 4 ou 5 collaborateurs à l'accompagner. Dans ma famille, j'ai des personnes en situation de handicap et c'est des valeurs qui me touchent personnellement. En prenant du recul au fil des années, je m'aperçois aussi que c'est lui qui me rend heureux. C'est vraiment grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Tout le monde part ensemble, quelle que soit la distance à parcourir, quel que soit son handicap, sa situation. C'est favoriser la rencontre entre des personnes dont habituellement les chemins ne se croisent pas. Cette course, elle est spéciale pour moi. Elle mélange les valides et les handis. Des super sourires et des émotions. Voilà, c'est une première pour moi. Je suis ravi. Rendez-vous l'année prochaine.